réactions de la princesse Reine sont toujours extraordinaires. Et celle-ci va sûrement l'être encore plus. Un gâteau géant! Est-ce que je rêve? Surprise! C'est mon anniversaire! Je ne savais pas que c'était ton anniversaire. Ça fait partie de la surprise. Mais c'est plutôt nous qui devrions te faire une surprise. Sauf que je suis difficile à surprendre. J'ai donc organisé une journée surprise pour jouer avec mes meilleurs amis. Tu as organisé une journée surprise pour jouer tout en fêtant ton anniversaire? Est-ce que je rêve? On joue comment? Derrière chaque porte, vous découvrirez une activité d'anniversaire. Et nous devrons toutes les franchir avant que mon anniversaire se termine. S'il vous plaît, si je rêve, ne me réveillez pas. Commençons tout de suite. Ensemble. Hashtag le dressing de rêve. Je me sens merveilleuse. Tu veux dire comme une princesse. C'est la dernière porte. Ensemble. Ouvre ce gros cadeau. Oui. Voilà, le mystère de la septième porte est éclairci. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. On te souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai eu une fête d'anniversaire royale. Mais le meilleur moment de la surprise, c'était de pouvoir la vivre avec mes amis. Vous êtes prêtes? Mon anniversaire est peut-être fini, mais mes amis seront toujours là. Les meilleurs amis pour toujours et à jamais. Merci de venir nous aider à nourrir les lapins, Bella. Avec plaisir, Polly. Vous aider me fait bondir de bonheur. Où allons-nous aller à présent? Je crois que nous irons où le vent nous mènera. Reine a le plaisir de nous inviter au bal royal de l'arc-en-ciel. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Jolie, royalement jolie. J'espère que vous aimerez votre tenue royale. Quoi? Mais quelle tenue? C'est un mystère de styliste. Séparons-nous et cherchons. Rien ici. Non, il n'y a rien ici. Une chambre secrète. Mais pas la moindre tenue. Ceci pourrait peut-être me servir de couronne. Qu'en dites-vous? Trop avant-garde? Shani? Non. Et nous avons cherché partout. Non, pas partout. Oui!
maintenant, vous êtes de vraies princesses arc-en-ciel. La princesse règne. C'est le plus beau jour de ma vie. Et il ne fait que commencer. J'aime tellement venir ici et prendre soin de ces bébés animaux. Tu as faim, ma grande? Elle est si mignonne. J'ai une idée formidable. Nous allons les prendre en photo pour ne jamais les oublier. Tu es d'accord? Oui, c'est génial, Polly. Je prépare l'appareil photo. On va bien s'amuser. Monsieur Gecko? Je ne sais pas trop. Peut-être chez le vétérinaire? Je crois que notre appareil photo l'intimide un peu. Allons, Monsieur Gecko, il est temps de te placer pour la photo. Dites biscuit pour animaux. Tellement fin que j'ai l'impression d'entendre un marchand de glace qui arrive. Non, je l'entends, moi aussi. Allez, viens vite, on a bien mérité une glace. Ah, bonjour Lila, est-ce que tu vends des glaces? Ce ne sont pas de simples glaces, mais plutôt de nouvelles aventures glacées. Regardez. Trop bien amusé. Et maintenant, j'ai encore plus faim qu'avant. Cette fois, je crois que nous avons vraiment mérité un bon dessert. Venez par ici, chers amis qui aimaient tant les glaces. Miam! Tu avais raison, Lila. Tes glaces sont une véritable aventure. C'est vraiment trop bon. Qui veut encore s'amuser dans la glace géante? Moi! Quelle meilleure façon de terminer une semaine agitée qu'un tour au parc d'attractions arc-en-ciel. Tu avais raison, Shani. Tu vois bien, le meilleur moyen de se détendre, c'est de tout oublier en s'amusant. Et hop, je passe sous l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est? Un bateau? Waouh, Shani, attention, il y a... Regardez ce que j'ai gagné! J'ai toujours eu envie de nager avec les dauphins! Youhou! Les filles, je crois que ce bateau est venu ici pour nous. Mais où va-t-il à votre avis? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir! Je vais vous suivre par la voie des airs, les filles! Wow! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, vous êtes venues! Soyez les bienvenues au lagon des sirènes! Je suis la reine Delphina. J'ai envoyé mon bateau vous chercher car nous avons besoin d'aide dans notre paradis. Wow! De quelle façon pouvons-nous vous aider, reine Delphina? Eh bien, notre dauphin en pierre précieuse a disparu. Sans ses pouvoirs, le lagon des sirènes perdra sa magie et toutes les créatures marines seront en danger. On a besoin de vous pour le retrouver.
Regardez, la magie est déjà en train de disparaître. En avant, les filles, trouvons ce dauphin en pierre précieuse. Rien sous ce petit château. Oh, et pas de dauphin dans le phare non plus. Qu'allons-nous faire? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Les filles, je crois qu'elle nous dit qu'il faut aller sous l'eau. Le dauphin en pierre précieuse doit être dedans. On l'a trouvé. Bien joué, les filles. Au travail, il faut l'ouvrir avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir rendu sa magie à notre merveilleux paradis. Waouh, des montagnes russes arc-en-ciel au mystère de la magie des sirènes. Cette journée a été géniale. Et maintenant sur le plongeoir, mesdames et mesdames, j'appelle ça le plongeon du cygne. Superbe plongeon, Polly. Oh, waouh. Mais n'oublie pas, il est temps de se préparer pour l'anniversaire de Mamie Pocket. Oh non, les filles, j'ai besoin d'aide. Je n'ai pas encore trouvé ce que j'allais offrir à Mamie Pocket pour son anniversaire et c'est maintenant son anniversaire. Ne t'inquiète pas, Polly. Nous allons trouver le cadeau idéal. Excellente idée, Chami. Nous partons vers l'arc-en-ciel. On rajoute encore des ballons? Oh, bah, elles doivent se préparer. En fait, je crois que ce serait bien d'en avoir plus. Waouh! Cet endroit est aussi magique que Mamie Pocket elle-même. Ici, on trouvera forcément le cadeau idéal pour elle. Vous croyez qu'elle aimerait un trône royal? Non, impossible de l'emmener. Waouh! Oh, bonjour, mon tout beau. Les filles? Oups. Tiens bon, Shani. Les filles, vous croyez que j'en fais trop pour la fête? Tu es magnifique! Mais nous n'avons toujours pas trouvé le cadeau idéal pour ma grand-mère. Et nous n'avons plus beaucoup de temps. De temps? Le temps! Les filles, allons vite au village anniversaire! Là-bas, on trouve tout ce qu'il faut de A à Z! Excellente idée, Lila! Là-bas, on trouvera quelque chose, c'est sûr! La mission anniversaire commence! Séparons-nous! Oui! Vous croyez qu'elle aimerait des bonbons surprises? Et pourquoi pas un micro-karaoké? Ou un gentil petit vélo! Waouh! Oui, elle adorerait tout ça! Oh! Je n'arrive pas à me décider! Oh. Alors, finalement, j'ai tout pris! Je ne pouvais tout simplement pas te trouver le cadeau idéal, Mamie Pocket! Oh, ma chérie, ce ne sont pas les cadeaux qui rendent ma fête d'anniversaire unique! C'est ta présence et celle de tes amis pour fêter cette journée avec moi! Ça, c'est le plus beau cadeau du monde! Oh! Merci, mamie. Et nous t'avons réservé encore une petite surprise. Oh, et bien ça alors. C'est vraiment un anniversaire parfait. Joyeux anniversaire, Mamie Pocket. Joyeux anniversaire, Mamie Pocket. Tu sais, les chats, eux, ont vraiment tout compris. Oui, je suis d'accord. Je te propose que désormais, les samedis soient... le jour du chat. Oui, ça me plaît beaucoup. Oh, une émission sur les chats.
J'en ronronne de bonheur. Et maintenant, je vais passer en mode détente et tricoter un peu. Je travaille d'après mon propre patron géométrique. Les chats arrivent toujours à retomber sur leurs pattes. Contrairement aux humains. Les filles, j'ai trouvé quelque chose, venez voir. Waouh. Est-ce qu'on la suit? Voyons que ferait un petit chat. Une route toute rose et brillante. Bien sûr qu'on va la suivre. Ah oui, génial. Waouh. Nous n'avons aucune idée où nous sommes ni où nous allons. Je sais, c'est tellement passionnant. Je crois que c'est notre aventure la plus formidable. Mais c'est peut-être aussi notre aventure la plus collante. Polly, je savais qu'une musique magique ferait l'affaire. Vous arrivez juste à temps pour le thé. Oh, merci. Votre invitation nous touche beaucoup, monsieur Pain d'épices. C'est votre maison? Oui, c'est là que je me sens chez moi. Mais entrez, je vous en prie, faites comme chez vous. Ma machine à bonbons est la vôtre. Je reviens. Ah, une balançoire. Et des chaises tasses de thé. Et elles tournent. Ce qu'elles vont vite. J'ai un peu le vertige. Le thé est servi. Waouh. Ça a l'air délicieux. Qui veut du gâteau? Oh, quelqu'un a déjà goûté le glaçage? Mais quand a-t-il... Je vous l'avais dit, les chats, eux, ont vraiment tout compris. Salut le toucan, je suis si heureuse de te voir. Question: suis-je dans le présent ou suis-je encore dans le passé? Où est-ce que le passé est le présent? Mince, ce n'est pas facile de voyager dans le temps. Ah oui, ça tu peux le dire. Et coupé! Beau travail, les filles! J'ai bien cru que je ne retrouverais pas mes marques après avoir autant tourné. Tu as été parfaite! Oui, Margot, tu es formidable! Tous les stages de théâtre que tu as faits finissent par porter leurs fruits. Oui, c'est vrai que j'adore les arts de la scène. C'est un signal de la princesse Rain! Elle a besoin de notre aide. Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps de t'expliquer. Allons-y! Waouh! Mais où sommes-nous? Au parc d'attractions Arc-en-Ciel. C'est un endroit absolument extraordinaire. Il serait vraiment parfait pour un film de fiction. Oh, les filles, merci d'être venues. Nous avons fait aussi vite que possible. C'est une urgence licorne de Côte Dorée. C'est quoi une urgence licorne de Côte Dorée? Ma licorne dorée a disparu. C'est littéralement une urgence licorne de Côte Dorée. Ça, c'est une mission pour Sherlock Pocket Holmes et ses fidèles assistants. Première étape, trouver des indices. Dis-moi, quand est-ce que tu as vu ta licorne pour la dernière fois? C'était tôt ce matin. Nous étions en train de manger une crème glacée royale quand une surprise est arrivée. Oh, waouh, Goldie va adorer ça. Et quand j'ai voulu la montrer à Goldie, elle avait disparu. Elle n'a laissé derrière elle ni trace, ni indice. Non, rien. Elle s'est évanouie dans les airs. Peut-être qu'elle avait encore faim. Ah, jusqu'ici, tout ce que j'ai trouvé, c'est un vieux bonbon. C'est toujours plus que ce que j'ai trouvé. Oh, bonjour, jolie licorne. Incroyable. Où as-tu trouvé la couronne de Goldie? Cette couronne doit être très lourde. Laisse-moi la porter à ta place. Oh, parfait. Mais elle te va bien mieux qu'à moi.
Qu'est-ce que tu faisais là? Je t'ai cherché partout, je voulais te donner ceci. Mystère résolu. En fait, Goldie t'avait entendu dire que tu avais une surprise. Et elle a voulu t'en faire une aussi en allant chercher des ballons. Mais elle s'est un peu laissée entraîner. Affaire classée. Rien de spécial. On dirait que pour lui, aujourd'hui, c'est une journée comme les autres. Au contraire, Shani, souviens-toi, nous avons prévu une activité exceptionnelle. Oh, mais Nicolas n'aura certainement pas envie de venir. Exceptionnel? Super exceptionnel. Je vais chercher mes affaires. Première étape, la forêt des bonbons. Cet endroit est un vrai paradis des bonbons. Mmh. Wow, c'est un vaisseau spatial. Incroyable. Vous arrivez à point nommé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rêvé où ce biscuit géant vient de parler? Nous allions manger ce gâteau tout seul, Cannelle et moi. Mais maintenant, nous allons pouvoir faire la fête. Surprise! Joyeux anniversaire, Nicolas! Quoi? Je croyais que vous aviez oublié. Eh non, nous, jamais! Certainement pas. Ce gâteau était délicieux et fait par un vrai bonhomme en pain d'épices. J'aurais vraiment tout vu. J'ai trop hâte de poster ça sur mon vlog. Allez, montez vite. Wow, on atteint la vitesse de la lumière. Est-ce que c'est la planète natale du bonhomme en pain d'épices? Non, mais c'est fantastique tout de même. Venez. Non. Pas ici. Oh, ici. Un karaoké? Justement, j'adore ça. Comment vous le savez? Ben, on regarde ton vlog. Selfie de groupe. Le meilleur anniversaire de ma vie. On a réussi. Dites les filles, c'est seulement moi ou passer la journée dans un cornet de glace géant donne une fin de l'eau. Rendez-vous au stand de glace. Laissez une petite place pour le pique-nique du déjeuner. Je suis tellement impatiente. Ma maman prépare ce grand pique-nique de la famille Pocket depuis des semaines. Bonjour, ma puce. Nous avons une urgence, Pocket. L'orchestre que ta maman a engagé pour le pique-nique ne pourra pas venir. Wow. Pauvre maman, elle doit être horriblement déçue. Nous devons trouver une solution. Quelqu'un a une idée? Si l'orchestre ne peut pas venir jouer, nous le ferons. Qu'en dites-vous, les filles? Oui, bonne idée. On va s'amuser. Mais pour arriver là-bas à temps, il ne nous reste plus qu'un seul moyen. Paul,
Polly, tu es venue. Et quelle rapidité! Oui, on a pris un raccourci. On est arrivé à temps? Oui, vous êtes juste à l'heure. C'est parfait. Vous êtes prêtes, les filles? La 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 la. Oui, je suis prête. Mais prête pour quoi? Surprise! C'est nous qui allons remplacer l'orchestre. Bonjour, Littleton. Permettez-moi de vous présenter les amis Pocket. C'est parti! Tu dois toujours croire en ce qui vient de toi. Il faut que les plus petits osent les plus grandes choses et crier tout très fort que tu peux battre des records. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce, Polly Pocket, allez, gagne la partie. Si petit, t'es si grand. Nous les filles, on agit, on a le pouvoir aussi. Si petit et si grand. Même si on se sent petite, on peut gagner la partie. Car être petite, c'est briller comme une grande. Polly Pocket. Ce ne serait pas tout à fait Halloween. Regardez, c'est la piste de cookies qui mène à la machine à bonbons. C'est l'endroit idéal pour faire un bonbon ou une farce. On fait la course? Je ne suis pas sûre que ce soit le chemin qui mène à... Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois rien du tout. Je savais qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Un bonbon ou une farce? Waouh! Félicitations! Vous avez été choisis pour participer à notre concours annuel de pâtisserie d'Halloween. D'accord. Mais on pensait qu'on allait recevoir des gâteaux pâles et faire nous-mêmes. Oh, bien joué, monsieur pain d'épices. Bien joué. Moi, j'adore les concours de pâtisserie. Enfin, j'adore les regarder. Je n'y ai jamais participé auparavant. Attendez, si c'est ça le bonbon, alors où est la farce? Il y a une petite difficulté. Les ingrédients et les ustensiles sont cachés le long du parcours d'obstacles. Ah, ça, c'est mon genre de pâtisserie. À vos marques, prête, cuisinez. Oui. Oh là là, j'espère que ça ne sera pas trop cuit. Voyons voir quels ingrédients nous avons ici. La crème n'épaissit pas. Reste calme et mélange encore. Reste calme et mélange encore. Plus que 10 secondes! C'est le moment de la touche finale! Oui! Oh! Waouh! Nous nous sommes vraiment surpassés! Regardez-moi ces merveilles! Mais sont-ils aussi bons qu'ils sont beaux? Cannelle et moi, nous serons les juges! Cannelle? Hein? Où est-il? Je crois que ça veut dire que nous sommes à égalité. Joyeux Halloween à tout le monde.